destruction. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer la visite de la citadelle. Là, c'est bien. Vers l'académie. Et là, vers la tour de la citadelle. D'accord. Ah, il nous dit carrément déjà où aller. Bah non. On est déjà au présidium, on va pas retourner. Tiens, une Anasari. Ouais, mais ça, oui, d'accord. Alors, mon pote, c'est cool. Il nous parlait pas du pont tout à l'heure. Le côté du pont pour aller voir l'Asari machin là. Ils sont où les gars là? Je suis tout seul. Ah ben alors. Surtout vous dépêchez pas là. On n'est pas des touristes nous. Enfin, si, un peu. Alors on descend à droite, à gauche. Allez à gauche. Oui, bah, la carte. Ah bah oui, il est là. Donc c'est Avina, ok. C'est de l'autre côté. Désolé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'en sais? Les meilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font. Ah. Alors attends. Donc là, là, ok. Je me souviens bien, c'est par là après. Ah non, Avina. C'est elle, Avina, là. Le bazar, la banque. Ça, c'est terminé, là. On peut pas la sélectionner. Faut aller à la tour. D'accord. Ah bah si, c'était là le quartier favorite. D'abord il faut aller à la tour. Donc faut monter. Parce que non, ou à moins qu'on peut passer par là. Peut-être passer par là pour aller à la tour alors. On verra ça après. Enfin, en espérant que... Ouais. Ouais, ouais, attends, on va passer par là. Voilà, tour de la citadelle. Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Et après, il faut aller voir la favorite, là. Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa reine. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Sa reine est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ne faites pas attendre le Conseil. Ah, ok. Ils sont pressés.
Ouais, ils me suivent. Je pense que le conseil c'est par là. Non? Carte. Oui. Ah, c'est là. D'accord. D'accord, comme ça, je pense que ça nous le dit, voilà. Sur la carte où il faut aller. L'audience a déjà commencé. Merde, j'ai loupé, je suis passé à côté du capitaine. Bien que je sois commandant, normalement je suis au-dessus de lui. La guerre est préoccupante, mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un... Putain, je l'ai pas vu arriver, sa reine en hologramme, là. Je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. C'est vous qui avez détruit la balise, et vous avez tenté de couvrir votre race. Rejeter la faute sur autrui pour couvrir ses propres échecs. Le capitaine Anderson vous a bien formé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Sa reine méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère. Et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous vous voilez la face? Non, ou à quoi bon? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette justice. Mais t'inquiète pas, mon pote, sa reine, on va trouver des preuves. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On va devoir s'occuper nous-mêmes de sa reine. En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garrus, l'enquêteur du SSC, on l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ?
J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garrus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Oui, il va se faire gronder. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren. Mais ces informations ne sont pas données. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai au bureau de l'ambassadeur. On va peut-être voir d'abord la favorite. Codex. J'ai pour le journal, d'accord. Donc ça c'est fait. Enquête sur Saren. Parler à Kings. D'accord. D'accord. Donc on est là. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on va sortir par là? Non. Oui. Par où je suis arrivé, moi? Non, c'était par là. Ah, on peut parler avec quelqu'un en bas, là? Avec lui. Ah oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je... Comment elle sait que ça s'appelle les veilleurs? Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter, où est le problème? Bon d'accord, j'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligée de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêtée. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. D'accord, il faut... Ils sont I. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Quartier la favorite, tiens. Hop. Tu vas descendre en bas, tiens. Bienvenue. Mon nom est Mélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Je ne peux pas simplement aller la voir? Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience.
Que faites-vous ici, Nelina? Comment elle sait qu'elle s'appelle Nelina? La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. Comment? En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Au bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3-4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nelina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. Vas-y, roule plus du cul. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Pourquoi veut-elle me voir? Je l'ignore. Il vous faudra lui poser la question. À l'étage, elle vous attend là-haut. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. Alors, Shakira. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Je n'aime pas qu'on me surveille. Veuillez m'excuser, commandant. Il m'est nécessaire de connaître les personnes importantes qui débarquent sur la citadelle. Beaucoup deviendront clients. Mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous voir. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Peux-tu me toucher ? Que s'est-il passé entre vous deux ? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. On va alors se calmer, mademoiselle. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Donc, alors, dans le journal. On t'a déjà parlé. Ah non. Et franchement, je suis un peu nerveux. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. C'est tout? Comment t'as déjà parlé? Comment t'as déjà scanné? Donc... Carte... Avina... La banque par à Varlon,
Non, merde. Très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Qui êtes-vous? On s'appelle Delan Inder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humaine. Vous ne serez pas déçus. Oula, 3500. Ah, celui-là, on peut l'acheter, 700. Absorbe et dissipe la chaleur normalement produite par l'utilisation d'une arme. Absorption de chaleur, 12%. Et celui-là, 700. L'explosif à fusion continue. Pôle non radiatif, dispersé lors de la étoile dans la 6 prises, dans l'explosion sur irradiée. Mode de grenade. C'est tout. Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux articles? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine, vous ne serez pas déçus. Bon, là, c'est pas la peine, là, c'est pas la peine, là, c'est pas la peine, là, c'est pas la peine. Donc, pour l'instant, à ce niveau-là, non. Aïe, tu as à chaque fois foutu. Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux articles? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine, vous ne serez pas déçus. Ouais, dans les prix à 600. Omnitech. Licence fondation. Licence de fondation. Centimètre de Normandie. Ça va peut-être servir. Qui a plus fortement. Refuse de produire des armes ou de produits. Elle propose en revanche des solutions utilitaires. Ah bah je l'ai déjà. D'accord. Alors, équipement. Changer pour voir ce que ça donne.
Oui, pour les grenades, il me semblait qu'il y avait un truc, j'avais un truc. Voilà. On va pas changer en gel ça. Ah si là. Comme ça c'est débarrassé, puis ça fait plus de. Simple. Je crois que le casier financier c'est là. Oui c'est ça. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain. Je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur sa reine? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre et je sais quelque chose sur sa reine. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec sa reine en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que sa reine le trahisse. Sa reine a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Comment le trouver? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC? Si, mais je doute qu'il ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Merci pour l'info. De rien, commandant. Pourquoi vous allez là-bas, l'équipe, là? Ah oui, peut-être au dernier point. Peut-être enquête sur Sarine d'abord. La carte. Quartier de la SSC pour machin, d'accord. Ah ouais. Eh ben, avant d'aller voir le Krogan qui est à la SSC, je vais vous laisser sur cette fin d'épisode. On a un petit peu avancé dans l'histoire. Je pense qu'on va continuer encore moins quelques épisodes. Je sais pas combien de pièces, de personnes, de quêtes qu'on a à faire. Mais ça a l'air d'être pas mal. Sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode. Et je vous dis au revoir. À bientôt.